L'école de la grève ce printemps aura été pour nous donc la meilleure des formations, une formation gratuite. On a appris ce printemps, on a appris pour vrai. On a appris c'était quoi l'injustice, on a appris c'est quoi la violence, on a appris c'est quoi la violence d'un système, on a appris ça goûte quoi le poivre de Cayenne, on a appris ça sent quoi les gaz lacrymogènes, mais surtout, surtout on a appris la résistance. On a appris par centaines de milliers à se battre comme jamais on ne l'avait fait dans nos vies, comme jamais on ne l'avait fait dans l'histoire du Québec. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps. C'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. Notre grève, c'est pas un événement isolé. Notre grève, c'est juste un pas, c'est juste une halte le long d'une route beaucoup plus longue. Notre grève, elle est déjà victorieuse. Elle est déjà victorieuse parce qu'elle nous a permis de voir cette route-là, celle de la résistance. Il est là le vrai sens de notre grève. Il est là le sens de notre grève dans la durée, dans la poursuite demain de la désobéissance. Nous avons planté ce printemps les graines d'une révolte qui ne germera peut-être que dans plusieurs années. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple du Québec n'est pas endormi, pas plus que ne l'est sa jeunesse. Ils ont peut-être les matraques les plus dures, ils ont peut-être les armures les plus épaisses, ils ont peut-être les plus grands journaux, ils ont peut-être les portefeuilles les plus épais, mais nous, nous avons le souffle le plus long. Nous avons le courage des opprimés, nous avons la force de la multitude, mais surtout, surtout, nous avons tout simplement raison.